Cet épisode est présenté par EA Game Changer. Et aujourd'hui, c'est la fête des récoltes. De 6h à 2h du matin, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, décorer, gnome de fête, grand repas et gratitude. Je te cache pas qu'on s'en fout un petit peu, parce que moi, j'aimerais plutôt réussir à monter mon... tout ça. Mais c'est long de réussir à monter. Alors, j'ai pu récupérer normalement pas mal d'argent. Enfin, j'étais censé, mais j'ai l'impression qu'il l'a pas fait. Il a pas pu récupérer, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais censé récupérer 1400 simflouz. Quelle est donc cette arnaque? Transformé en plante décorative. Niveau sub... Yes! Niveau 9 de la compétence jardinage! Nous sommes un vrai... Ah, zut. Ah non, je viens de le transformer en plante pour le poser, les plantes les normales, là. Ah, j'ai fait une erreur. Fruits de bourgeon. Bah, je peux en replanter d'autres, tu me diras. En même temps, est-ce que vraiment c'était nécessaire? Pas forcément. Je replante pour le planter, vas-y. Pour ne pas tout perdre. Là, ça prend petit à petit. Entretenir le jardin, tiens. Vas-y, je peux trop ce que ça... J'imagine qu'il fait tout ce qu'il y a à faire. Ce qui nous arrange. Attends, j'ai vite pendant ce temps-là à faire ça. Et après, on va se focus sur les choses bien plus importantes à faire. Du genre, faire évoluer tout ça. Ça serait gentil de sa part. Jacinthe. Allez, on fout de la jacinthe partout. C'est le bon petit engrais pas cher et efficace. Mais il veut pas les planter droit, à un moment. Ça serait bien, en fait, de les planter droit. C'est pas comme si... voilà. Je les avais mis droit à la base. Je dis ça, je dis rien. Fertiliser, vas-y. Et fertiliser, nous sommes bons, enfin. Attends, du coup, on a combien payé? Dis-moi que c'est pas... On voit une lettre de remerciement. Bah, Joyce, une dame pour la remercier, je sais pas de quoi, mais vas-y. Allons la remercier avec grand plaisir. Vous avez commencé votre collection d'éléments, félicitations. Pour mettre vraiment en valeur, envisagez d'acheter un présentoir d'éléments. D'accord. Bah écoute, ok. La vraie question, c'est est-ce que j'aurai des trucs qui rapportent du fric? Ah, j'ai récupéré, toi. Je l'ai envoyé, du coup, j'ai récupéré ma petite pierre toute mignonne. On peut du coup mettre là. Parce qu'elle est absolument splendide, monsieur. Je vais faire une petite décoration de pierre totalement quali. Et du coup, est-ce qu'on n'a pas des plantes à vendre? Je suis en train de me dire. Tiens, j'ai vu qu'il y avait ça. Par exemple, ça, ça vaut du fric, non? Oh, c'est bugué, pareil, je peux pas les vendre. Le plaisir, 1200 simflouz. Ah, écoute, il nous faut du fric. Investi là-dedans, ça me paraît être un bon choix. Ça me paraît être un choix de qualité. Créer une composition florale pleine d'amour. Avec des tulipes. Parce que les tulipes, c'est la vie. Let's go. Par contre, ton vélo, t'es un peu chiant. Est-ce que tu peux le ranger? Monter, mais dans l'inventaire. S'il te plaît. Ah, mais c'est bon, on va pas se monter d'un niveau. Du coup, il manquera plus qu'un niveau pour la promotion. J'en ai tellement proche. Allez, faut qu'on y arrive. Il faut qu'on donne tout, là. J'ai pas eu contre... Attends, on peut faire quoi, à présent? Nifex peut parfumer ses compositions avec des tulipes et des roses de Noël. Ses compositions florales, là, de niveau 4, sont également de meilleure qualité. Et écoute, je t'en prie. Prenons tout ça. Est-ce que tu réussis à te former correctement? Tu vas enchaîner. Tu vas faire que ça. La composition florale intensive. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un bruit bizarre. Nous avons un bruit bizarre. Waouh, les nains! Oui, je comprenais pas ce qui se passait. Qu'est-ce qu'ils me font? Donner un coup de pied dans le gnome. Peut-être pas la meilleure idée du monde. Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir? Un cake aux fruits? Les nains, ils aiment bien les cakes aux fruits. Je crois que les gnomes sont pas contents. Quelle pourrait être la conséquence? Ah oui, parce que j'ai pas fait le... Gnome, en fait. Offrez votre respect à des cadeaux aux gnomes. Effectivement, il y avait ça, c'était le jour des nains. J'ai complètement zappé, et je leur ai pas fait des cadeaux. La puissance des nains va me tomber dessus, ils vont se venger. Ils vont vouloir l'apocalypse à cause de moi. Fin. Et du coup, je sais pas si je risque réellement quelque chose, si genre ils peuvent s'énerver et tout défoncer. Vas-y, vendre. Ok, il a l'air d'avoir apprécié. Il y a un petit ange. Je vais peut-être pas leur filer. Non, attends. Bon, si... Waouh, qu'est-ce qui se passe? Calmez le gnome, tu peux leur parler. Waouh, je sais pas. J'appuie sur les trucs, je sais pas ce qui se passe. Calmez le gnome, je sais pas, j'en file différents trucs. Du café. Ok, ils ont l'air d'aimer. Pour le moment, ça a l'air d'aller. Ils ont l'air d'apprécier, on va essayer de les rendre heureux. Il faudra juste que je fasse, en théorie, il faut que je fasse avant 10h du mat, il faut que je fasse un grand repas, comme si j'ai plus de cuisinière. Ah, je crois que je l'ai pas, il a pas aimé. Ah oui, s'il aime pas, il me détruit un truc sans foirer. Regarde, c'est passé en rouge et du coup, ça m'a pété la télé. Non, un autre qui est pas content.
Non, 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 calmez-vous les gnomes. J'aime pas du tout ça. Vous allez respirer un grand coup. Non, ils sont... Oh, là, ils vont me défoncer ma maison entière. Ils sont en train de me détruire ma pauvre télé. Chanter. Est-ce qu'on peut chanter peut-être? Qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir, petit gnome? Je sais pas, c'est les... Peut-être qu'ils préfèrent les cakes aux fruits. À moins que ce soit tout le côté démoniaque et c'est tout le côté gentil. Non, c'est bon. Cake aux fruits, il a l'air d'avoir kiffé. Ça a l'air d'être son truc. Ah, oh, le bordel, les nains. Vous êtes deux types bien chiants. Et le dernier? Le dernier, c'est un enfoiré. D'accord. J'adore. Je vous en prie, faites ce que vous voulez. Faites comme chez vous. C'est pas comme si c'était chez moi en même temps. Bon, du coup, on va voir ce qui se passe. Ah, ils m'ont filé un truc. Ouvrir les plantes de saison d'hiver. Ils sont partis. Oh non, commencez pas à me péter tous mes trucs. Commencez pas à tout casser dans la maison, s'il vous plaît, ça serait gentil. Est-ce qu'il faut... Personne n'a nettoyé la... Non, c'est bon. Personne n'a réparé. Ils sont partis... pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai un tas d'ordures juste là? Qu'est-ce que vous êtes en... Waouh, pourquoi j'ai des tas d'ordures partout? Les gars, vous me faites peur. Vous me faites extrêmement flipper, les petits nains, là. Vous allez vous calmer un petit peu. Laissez-moi faire mes compositions florales tranquillement. J'avais plein de trucs qui étaient prévus pour la journée. J'avais une journée de qualité qui devait être totalement qualitative. Et ça part en truc extrêmement flippant. Ils sont encore déplacés. Et ils me balancent à chaque fois donc des poubelles pour ceux qui sont énervés, j'imagine. Et des sachets pour ceux qui sont contents. Donc écoute, profitons-en un petit peu d'ouvrir tout ça. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Ceux qui sont vénères, ils te filent rien du tout. Et les autres te filent plein de petits sachets fort utiles. Donc autant les récupérer. Parce que du coup, j'en ai plein. C'est juste extrêmement pratique. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es encore triste à cause de la solitude, mais t'es vraiment chiant. Passe ta vie à pleurer, là. Arrête de pleurer un moment. Sois un homme, un vrai, monsieur. Fais des compositions florales comme un vrai bonhomme. Ça, c'est un truc de bonhomme, monsieur. C'est pas un truc d'homme qui pleure. C'est bien connu. Jacinthe, qu'est-ce que tu vas me proposer? Vas-y, fais-moi un truc joli. Un truc vraiment qualitatif. Où tu sens que t'es la vérité et tout ça. Je sais que tu peux le faire. Regarde. Tac. Oh, regarde-moi cette technique qui est présente. C'est assez incroyable. On sent l'expert, le maniement, etc. On est vraiment sur du bonhomme, là, monsieur. Ah, on a des voisins qui arrivent. Qui viennent nous poser des questions. Qu'est-ce qui leur arrive? Les nains, c'est comme les chauves, c'est diabolique. Quel boulet. Quel boulet. Vous voulez quoi, madame? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous voulez nous faire, là? Je vous connais même pas, foutez-moi la paix. Nous sommes en pleine session intensive de jardinage. Donc vous nous laissez tranquille, merci bien. De jardinage et de nains possédés. Bon, l'avantage c'est que je gagne plein de... Voilà, de sachets. On va pas s'en plaindre. Et puis les poubelles, on fait avec. Il y a pire dans la vie. Ah, c'est bon, il a ouvert. Oh, 425 simflouz, mais c'est trop rentable. C'est abusé. On fait un fric de fou, là. Je paye 24 et je le vends 400 balles. Il commence à être tellement compétent, il fait des super trucs. Et en plus, on monte dans notre compétence. Bon, c'est long, 42%. Mais ça a l'air d'être rentable. Bon, malheureusement, trop fatigué. À un moment, forcément, ça ne passe plus. Prends un truc. Mais vous pouvez arrêter de foutre le bordel chez moi, s'il vous plaît. C'est terrible. Jeter. Mange vite un petit truc. Est-ce qu'il fout un de ces bordels? Attends, est-ce que je peux prendre ça? Ah, c'est bon, ils sont pas partis. Ils sont toujours là. Vous me faites très vraiment flipper les nains. Il faut arrêter un moment. Ça devient flippant. Vous voyez des poubelles partout. Là, faudrait partir. Faudrait me laisser chez moi et repartir dans votre maison. Parce que là, ça devient extrêmement flippant. Bon, bah écoute, c'est le bordel. Voilà, c'est un bon résumé. C'est le bordel. Va me vider la poubelle. Ouais, elle pue. Non, c'est bon. Tu prends un petit truc à manger et on fera avec. Je t'autorise à manger ton burger parce que là, clairement, tu l'as mérité. Vu comment c'est le bordel. Je t'en prie, fais ce qu'il faut. Fin sociale. Par contre, vraiment, c'est chiant le côté social. Et plutôt gênant. Il a toujours envie de parler aux gens, je te jure, quelle idée. Oh non, on recommence pas avec ton vélo là. Non, c'est bon, ça va. Il est un peu chiant, mais pas trop. J'arrive à prendre n'importe quoi. Ah, des fuites d'eau, mais je vous en prie. Je vais lancer de l'eau partout. Mais oui, il n'y a pas de raison. Quelle excellente idée. Quelle magnifique idée vous avez là. Bon, du coup, on a malheureusement pas réussi le défi. Parce que forcément, j'étais pas pu faire à manger, il n'y avait pas la cuisinière. Du coup, je peux pas faire un repas de fête. C'était plutôt gênant. Allez, il se réveille. Mais de nouveau, il a pas mangé. Ok, on va travailler à la maison. Laisse-moi faire tout ce qu'il y a à faire, à savoir jeter tout ce bordel.
parce que les nains sont passés. File-moi mes petites graines. Bon, on a récupéré masse graines. C'est déjà ça. Mais à chaque fois, je lui dis de manger, il mange pas. À chaque fois, je sais pas pourquoi. J'y prends une portion. Ah, parce que je pense qu'il prend une portion, mais du coup, il a pas l'action de le manger. Avant, c'était le cas pourtant. Avant, normalement, il mangeait. J'ai l'impression que là, il a pas l'action de manger. Il doit le mettre dans l'inventaire à tous les coups. Et à tous les coups, j'ai plein de bouffe là. Non, j'ai pas l'impression. Je sais pas, c'est bizarre. Racine de cava. Les racines de cava fraîche servent à améliorer une boisson particulièrement adaptée aux événements sociaux. Oh, excellent. On a des trucs par ici. On a des trucs plutôt qualitatifs et plutôt sympathiques. Bon, vas-y. C'est bon? Tu t'en sors très cher? Mange un petit hamburger. Il faut qu'on fasse quoi? Offrir une récolte? Offrir une récolte? Hein? Comment ça, offrir une récolte? Cueillez des fruits et des légumes dans un votre jardin, cliquez ensuite sur la cible, sélectionnez offrir un cadeau. Ah, faut juste offrir un fruit ou un truc, ok. C'est tout. C'est juste ça. Rien de bien extraordinaire, on va pouvoir gérer ça. Tiens, super vente, on n'a même pas besoin. Récolte-moi ça ou pas, hein. C'est quoi? Tout vendre, c'est du raisin. Vas-y, super vente. Vends-moi... Ah, mais attends, je dis ça, mais il faut... Faudrait peut-être ramasser les trucs. Il faudrait peut-être qu'on ramasse quelque chose et qu'on aille parler aux gens. C'est moi, il commence à neiger, mais pas encore en hiver. On est en automne, mais il commence clairement à neiger. Il commence à faire bien pourri. Ce qui est quand même plutôt terrible. Y a-t-il des gens? Tiens. Ne bouge pas trop vite. Ne bouge pas trop vite. Présentation amicale. J'ai des choses à te dire. Ah, elle s'en fout. Ah oui, elle s'en fout, mais alors à un niveau. Où est-ce que t'es, Nifex? Elle t'a pas attendu, la dame. Alors, voilà, vous avez froid. A priori, vous avez... Oula, pour la caméra, elle déconne. J'arrive pas à le viser. À cause du pont, je pense, il y a un peu de peine. Complimenter tout ça. Vraiment, vous êtes très sympa, madame. Et du coup, j'ai envie de vous offrir quelque chose. Ça vient du fond du cœur. C'est pas du tout par un tag que je fais ça. C'est vraiment par pure empathie. Enfin, sympathie plus qu'empathie, tu me diras, là. Et je ne peux pas... Comment je fais pour lui offrir? Ah, merde, offrir un cadeau, je viens de le voir. Non! Reviens! Cadeau amical. Je t'offre... qu'est-ce qu'on aurait ramassé dans... Des murs? J'imagine que les murs, c'est ce qu'on a ramassé. C'est une récolte en théorie. Non mais je m'en fous. Oh, oh le vent qu'elle me met. Elle vient de me lâcher un vent mais de l'infini. Je dois vraiment partir. Monsieur, vous êtes gênant. Vous me faites peur là, vouloir m'offrir des cadeaux en plein milieu du parc. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y, au revoir madame. Ah, le petit toutou. Par contre, le fait d'être sur le pont, ça fait totalement bugger la caméra. Il est paniqué. Attends, ne bouge pas. Je te propose de t'offrir un truc vraiment hyper sympa. C'est parce que c'est toi. Quelqu'un d'autre, je l'aurais pas offert. Mais j'ai une petite boîte de murs qui traîne par là. Tu m'en diras des nouvelles. À ce qui paraît, elles sont mais absolument délicieuses. On en parle de... Waouh, waouh, waouh! On en parle du chien radioactif? J'imagine que c'est une maladie. C'est une maladie du chien radioactif. Waouh! Pourquoi il est le museau radioactif, le chien? Évite de venir vers moi, tu me fais peur. J'imagine c'est une maladie, parce que je crois qu'ils ont des maladies aussi avec le vétérinaire. C'est ce qui me paraîtrait plus logique. Ok, mon taf est fait, merci bien, je me barre à ma maison. Et il ne manque plus qu'un niveau de composition florale et on sera bon. C'est juste que c'est long. Mais long. Mais on va y arriver. Ah zut, faut que je parle encore à des gens. Mais c'est chiant de parler aux gens en même temps. C'est extrêmement chiant. Écoute, après tu vas voir un petit peu la télé. Faire du zapping, dépêche-toi. Allez, là, c'est bon, divertissement, c'est bien. Oh, attends! Parfait, on peut lui parler en même temps. Invite à entrer, viens, et on va parler tranquillement. Éliminer la journée, je sais pas, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Dis-moi tout! Dis-moi tout, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il n'y a pas moyen justement de regarder le ciel? C'est vraiment le truc le plus facile, voilà. Regardez les nuages. C'est tellement pété, ça. C'est vraiment le bon plan. En plus de choix amical. Est-ce qu'on peut continuer à regarder les nuages, s'il te plaît, ensemble? Ça se passe tellement bien. Profitons-en. Ouais, c'est que toi, du coup, c'est déjà 14h, alors que j'ai plein de choses à faire. Merci bien, monsieur Psykov, c'est gentil. Allez, monte-moi tout ça. Ça, en montant social, tu vois, ça lui fait du bien. Là, il se sent bien. Quand on a perdu un temps de fou. Bon, ça, on a taf à au bureau. Enfin, taf au bureau, taf à la maison. Du coup, ça, on a gagné du temps là-dessus. C'est vrai que si on pouvait arrêter de dormir, ça serait quand même vachement utile. On aurait quand même beaucoup moins de problèmes. Pourquoi t'es tendu? Incontesté. Donc c'était de la promotion. Non, Joyce, c'est gentil, mais je suis occupé. Non, toujours pas. Je suis toujours gentil, mais je suis toujours occupé. Ça n'a pas changé.
Elles vont tout... Ouah, 900. Mais c'est trop, c'est abusé. Comment ça se fait qu'on gagne autant de fric? J'ai l'impression qu'il fait un truc de telle qualité que c'est juste pété. Donc là, ça m'a coûté 0, mais en fait ça a coûté 18 et je peux leur vendre 100. Bon, c'est pas la folie. C'est pas la folie, par contre, plus qu'une composition et je pense qu'on sera bon. Est-ce qu'on fêterait pas ça avec un truc de fou? Genre un truc qui vaut bien cher? Ah non, c'est pas très cher ça. Qu'est-ce qui est le plus cher? Plus de choix, je pense, c'est vraiment le... Ah, crocus, j'en ai au pire. Bon, c'est pas cher, mais bon, vas-y. Pas grave, fais-moi un petit truc de folie. Attention, je pense que c'est le dernier. Nous sommes à 97. Allez, 98. C'est tellement long. Et 80-100%, monsieur. 100 fucking %. On y fait que je peux affirmer ses compositions avec des bégonias, des oiseaux de paradis. Ces compositions florales de niveau 5 sont également de meilleure qualité. Oui. On l'a fait, monsieur. C'est bon. Ça veut dire promotion. Le problème, c'est que nous, on travaille pas, je crois. Du coup, ça, c'est un peu le fail. Je t'avoue. Si tu travailles dans 7 heures... Bah parfait, tu vas faire dodo, t'es super bien là. Attends, mange un petit truc, pas que tu te plaignes avant. Après il va encore dire, ouais j'ai faim, gna gna gna. Puis il va être de mauvaise humeur demain. Et du coup il n'aura pas la promotion de façon un peu bête. Là normalement, c'est la promotion. Si tout se passe bien, c'est obligé. C'est censé marcher. J'y crois. Allez, mange un bon morceau. Après tu vas directement dormir. Comme un grand. D'ailleurs faire évoluer. Et tu me ramasses tes citrons. Quand je suis pour... bah tout récolter, vas-y. Et au dodo, c'est bon, on s'en est sorti. C'était dur, mais c'était intense. Et en plus, on a fait tellement d'argent, on a 8000 siflous. C'était sur-rentable, c'était abusé. La composition florale, c'est vraiment intéressant quand t'es à un certain niveau. Mais non, mais va pas ramasser le reste, je veux juste que tu ramasses ça. Allez, fais dodo, je crois en toi. D'ailleurs, à la base, les nains, ils étaient dehors. Enfin, c'est mes nains que j'avais dehors qui sont rentrés. Effectivement, normalement, je les avais dehors en XT. Oh, ouais, comment? Promotion? Le travail commence dans une heure et pourtant j'ai déjà été promu? Comment c'est possible? Normalement c'était toujours en fin de journée que t'étais promu? Bah écoute, je ne sais pas, mais tant mieux. Promu au poste de sommité des bouquets. Il gagne désormais 7 de l'heure, enfin 7 siflous de plus, on s'en fout. Que 75 siflous de l'heure, c'est peu. J'ai reçu un bonus, peinture murale beauté en fleurs. Et ce que j'arrive pas à voir, c'est quel niveau. Avant il te marquait, c'est genre de 1 à 10, il te marquait quel niveau t'étais. Et là, c'est plus le cas. On peut pas voir quel niveau on est. J'arrive pas à voir le niveau de ma carrière. Pour savoir s'il me reste encore beaucoup de temps avant d'arriver au maximum ou pas. Et ça, je trouve bizarre. Bon, bah écoute, on verra. En tout cas, merci bien. Et du coup, on est toujours pas au max. Créer une composition florale, pas commencé. Il me semblait qu'on pouvait faire ça de façon facile. Attends, du coup, je vais remettre mes petits nains dans le jardin. Je sais pas ce qu'ils font là. Allez, mes petits nains, enfin. Venez ici, tac. Pour une petite décoration de qualité. Voilà, parfait. Je vous remercie. Attends, il y a encore. Il y a quand même beaucoup. C'est un peu flippant, les nains. Pistage. Attends, mais encore, c'est pas possible. C'est bon. On les a virés. En termes de plantes, on en est où? Faire évoluer. Notre délicieuse plante, absolument splendide. C'est qu'il y a tellement de trucs. Il y a limite même beaucoup trop de choses, monsieur. Et attention. Là, c'est le moment de richesse, le moment où on ne sait plus quoi faire de notre argent. 2800 simflous, monsieur, nous sommes richesse absolue et totale. On va pouvoir commencer à avoir une vraie maison, aller à l'université, tout ça, tout ça. On commence à avoir tout ce qu'il faut chez nous. Oh, non, merde, en termes de... qualité magnifique. Ah non, c'est pas le maximum qualité magnifique. Il faut qu'on monte encore un petit peu pour atteindre le maximum. D'accord, bon à savoir. Bon à savoir tout ça. Vraiment qu'on fasse une, tout ce qu'il faut par ici. Il n'y a pas un truc qui manque. C'est absolument terrible. C'est absolument terrible, monsieur. C'est bon? Le reste, tout ça, on s'en fout. Écoute, moi je dis, c'est mission réussie. Remise en question des traditions. Un client difficile trouve que les compositions disponibles ne sont pas assez modernes à son goût et demande à Nifex de lui créer une composition très spécifique. Ce que demande le client est vraiment clinquant. Mais le patron de Nifex dit toujours que le client est roi. On respecte le choix du client, clairement. Gain de performance petit. Très bien, je valide. J'aime monter en performance, monsieur. Bon, il est rentré du taf, pour une fois du coup il est parti travailler en fait, mais il était pas là, je crois qu'il était là, je suis perdu. Nifex se perd, en tout cas c'était une bonne journée, on a réussi à faire ce qu'il fallait. Je suis clairement content, au passage, est-ce qu'on peut récupérer un petit peu du miel? Parce que c'est bon le miel monsieur, récupérons-en un maximum. Et on a un petit jardin, mais totalement qualitatif, et plein de plaisir. Ah, ça se passe pas forcément bien. Oui, bon, en même temps, forcément, t'es pas très très pote avec elle on va dire. T'occupes pas forcément très très bien de ta ruche. Là-dessus, on est d'accord. Va sur le truc où il y a une plante sur la main. Enfin,
Il y a une plante sur la main pour avoir... Ah oui ! Designer floral ! On est à niveau 9, donc il ne nous reste qu'un niveau. Ah oui ! Il nous reste juste un niveau, c'est juste. Eh, c'est bon, tout s'est bien passé, Nifex. J'en suis fier de toi. On peut faire un truc avec les... Non, rien de spécial. On va les laisser tranquilles. Nous sommes relativement bons, on a fait tout ce qu'il fallait. On commence petit à petit à une maison qui commence à ressembler à quelque chose. Enfin, à quelque chose, avec des gros guillemets. Et on a bientôt notre niveau maximum en carrière. Du coup, on pourra partir à l'université, faire des cours, tout ça, tout ça. On aura plein de choses délicates et délicieuses qui nous attendent. Et on aura plein d'argent grâce à cette petite production industrielle de plantes. Et ça, c'est cool.